10 personnes ont été tuées et 3 autres blessées lorsqu'un homme armé de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché de la ville de Buffalo, dans l'État de New York. Selon la police, le tireur, de physionomie caucasienne, portait un équipement militaire et un gilet pare-balles et diffusait son attaque en direct avec une caméra installée sur son casque avant d'être arrêté samedi. La fusillade s'est produite dans un quartier à forte population afro-américaine, à quelques kilomètres du nord du centre-ville de Buffalo. Le Federal Bureau of Investigation, le FBI, considère l'attaque à la fois comme un crime de haine et comme un acte extrémiste violent à motivation raciale.